Bonjour à tous. Nous sommes le 3 novembre et le temps a bien changé. Maintenant, nous avons retrouvé le soleil, mais pas la chaleur. La journée, nous avons tout juste une quinzaine de degrés et 5 degrés la nuit. Donc on met le chauffage, sauf dans la journée quand il y a du soleil, le camping-car est chauffé par le soleil. Là, je vais vous présenter une ville magnifique. C'est Guadix. Alors, j'ai vraiment été surprise par cette ville troglodyte. Tout d'abord, une très belle aire de camping-car, grande. C'est succinct pour vidanger, mais c'est suffisant. Ensuite, nous arrivons sur un grand carrefour et la première découverte, la cathédrale. Magnifique. Ensuite, nous irons nous promener dans les rues. Et pour terminer, avec 3 heures de marche, nous allons découvrir des maisons troglodytes magnifiques. La cathédrale, je l'ai filmée de jour, de nuit. Je suis retournée le soir seule pour visiter l'intérieur. Ça valait vraiment le coup d'y retourner. Je suis allée aussi sur la tour à côté de la cathédrale. Ça fait partie de la cathédrale, même s'il faut ressortir. Au bout de 160 marches, une découverte magnifique. Bon, le mot magnifique, j'arrête pas de le dire, mais c'est tellement joli. Je vous souhaite un bon visionnage de cette belle ville de Guadix. Bon, ça serait plus joli sous un rayon de soleil. Mais bon, ça a son charme avec les nuages. On devine les montagnes au-dessus des nuages. Et quand on regarde par là, il y a du ciel bleu. Encore des carrières dans la montagne. Nous sommes dans la Sierra des Hutors que nous traversons. Alors Uhutor. Voilà, on le voit là marqué. Je ne trouve pas la Sierra de Hutor. On change complètement de forêt par rapport à avant, par rapport à Tabernas. Là, forêt de sapins, pas de désert, même si là-haut il n'y a pas grand chose, c'est parce qu'il y a de la route. Et qu'est-ce qu'elle en a à en dire, ma femme? C'est vraiment du sapin. Allez, on va continuer notre route tranquillement. S'il y a autre chose à voir, je filmerai. Nous sommes à 1380 mètres, il y a 8 degrés dehors. Donc j'ai arrêté la climatisation pour mettre le chauffage. J'ai mis le chauffage à 26, mais je crois pas qu'il y ait 26. Jolie route de montagne, même si on est sur l'autoroute. De l'autre côté de la montagne, un autre paysage. Perdu nos sapins pour retrouver nos oliviers. Voilà, de l'autre côté de la montagne, un autre paysage. Une grande descente et on est à 11 km de Guadix, donc on y est pour bientôt, ça doit être en face. C'est impressionnant ce qu'ils ont creusé pour faire l'autoroute.
Ouais, c'est marrant, ces petites dunes. C'est tout rond. En quelques kilomètres, on change de décor. Ah bah, ce Guadix, c'est du troglodyte, hein. Ah. C'est joli quand on arrive de Guadix. Magnifique. Rio Verde, sans eau. Une jolie place où il y a l'office de tourisme. Et maintenant qu'on sait où se trouvent les maisons troglodytes, et l'entrée de la cathédrale, hein. L'entrée principale de la cathédrale, qui est magnifique. Entrée de la cathédrale, mais encore fermée. Voilà l'entrée de la cathédrale. Et c'est l'heure de la pause. Fouille du théâtre romain. Alors ça, c'est le palais d'une comtesse avec la vue sur la cathédrale derrière. C'est l'église Saint-Miguel. Une tour avec des cloches. On est grimpé et c'est magnifique vue sur Guadix. La cathédrale au fond, une église. Là-bas au fond, c'est le château. Voilà. C'était tout le centre historique de Guadix. On a vraiment une vue magnifique de la région. C'est Néo qui s'énerve auprès d'un chat. Ce mirador. Bon, il y a les cheminées, il y a des petits bancs pour s'asseoir, cheminée de maisons troglodytes, tout ça. Les maisons sont en dessous, l'église, derrière la montagne, encore une cheminée, et là il y a des maisons en dessous. C'est l'église Santo Domingo. Un petit quartier de maisons troglodytes. On aperçoit toutes les cheminées. Donc on devine toutes ces maisons-là.
sur une maison troglodyte. Là, on est au-dessus d'une maison, puisqu'il y a une cheminée. Là, c'est le dessus d'une maison qui doit continuer dans la terre, puisqu'il y a la terre derrière. Là où nous sommes, on est sur une maison d'une des personnes. Voilà, on marche sur les gens pour voir cette magnifique vue avant d'aller au Mirador. Et là, c'est vu sur ma part. En dessous, ce sont des maisons. Au fond, la cathédrale, l'Alcazaba, le château. C'est grandiose. Allez, on va aller au Mirador. Voilà les maisons troglodytes, mais comme tout en Espagne de 14h à 16h, on fait rien. Nous, on fait. Alors là-haut, c'est le Mirador. Et ça, c'est magnifique. Là, c'est la salle de bain. Petite salle de bain. No problema. La chambre. Et il habite là, hein? Il y a une autre chambre de l'autre côté. Il fait bon, hein? Ouais. Encore une chambre, ça en fait des chambres. Le petit café et la cuisine. C'est beau, hein? C'est pas moi la cuisine. Ouais, la cuisine, celle a une fenêtre. Et c'est cette maison-là que nous venons de visiter. Et là, il y a le vent qui me fait bouger ma caméra. Il y a un autre mirador là-haut. Là-haut. Alors en bas, c'est une ferme équestre, un peu misère. Et on a vu sur toute la région d'ici. Une cheminée, d'autres cheminées, ce qui veut dire des maisons en dessous. Impressionnant tout ce dédale de maisons troglodytes. On voit les cheminées, tous ces fils électriques, ces antennes. Et c'est rien du tout par rapport
Voilà, c'est deux maisons normales. Et là, voilà, tout ce dédale de fil électrique, de cheminée, de... Bon, on voit peut-être pas bien à cause du soleil. Et de cheminée, de tout. Je le vois pas. Ah oui. Et là, une vraie maison. Ça, c'est bien espagnol, un coin de rue. Donc là, nous venons de derrière moi. On a le choix entre aller par là, ou par là. On a le nom d'une rue et on a un plan. Cal Virgin de la Estrella. Évidemment, cette rue-là n'existe pas sur le plan. Et pourtant, j'ai bien trouvé où on était. Il n'y a pas cette rue-là sur le plan. Moi, je pense qu'on va prendre celle-là. Il y a trop de bagnoles, celle-là. Un trou de bagnole ? Ça monte, ça descend. Celle-là, il y a moins de voitures. Alors, on va prendre celle-là. On verra bien si on y arrive plus ou moins vite. C'est pas grave. On peut entendre le chant des oiseaux. La cathédrale. Ici, c'est un grand immense parking. Il y a de quoi faire. Il y a une aire de service camping-car. Nous, on s'est mis très loin pour être tranquille avec météo et les chiens et les chats. Voilà. Et à l'abri du vent là-bas. C'est encore beaucoup de vent aujourd'hui. Il y a d'autres camping-cars. Voilà, c'est une église. On est protégé. Hein. Un autre camping-car là. Évidemment, c'est pas très propre. Mais bon, c'est propre à l'espagnol. Il y a eu pire et il y a mieux. Toutes les ordures sont envoyées par le vent de ce côté-là. Mais au moins, on est tranquille. Ça te plaît ici, Météo ? Alors, après avoir visité la maison troglodyte, eh bien, on lui a acheté deux pots de miel à ce brave homme qui a bien voulu nous faire visiter sa maison. Et maintenant, dis donc, on a qu'est-ce qu'on picole? Comme où?
On va se réchauffer avec. Tu voulais un thé? Moi, je vais prendre une tisane. Un petit thé citron. Et Néné, qu'est-ce qu'il prendra pour se réchauffer? Un petit rien du tout? Et Kat, elle a marché pieds nus, hein, avec le pantalon et tout, mais pieds nus. Moi, j'avais les chaussettes et les baskets. Hein. Parce que le vent du nord-ouest nous donne. Allez, on va regarder ça. À 4 heures, il y a 13 dehors et 20 dedans. Il y avait 22 quand on est arrivé. Mais on a refroidi parce que mettez où est dehors et la porte est ouverte. Je vais visiter la tour, donc il y a des marches. Et elle m'a dit beaucoup de marches. Mais pas beaucoup de plafond. Mais c'est joli. Pas beaucoup de marches. Je les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. Beaucoup de marches. Eh ben, je suis compté jusqu'à 12, hein, 10, 11, 12, 3 fois 4, 12, c'est bien.
quelques marches, mais après on ne peut plus y aller, il y a la grille. Donc je vais recompter les marches pour descendre. Et regardez le colimaçon que ça fait. C'est impressionnant. Allez, c'est parti, mais j'éteins la caméra. J'arrive à la fin et il y en a 155 marches en pierre ou en pavé. Maintenant je ressors et je vais visiter la cathédrale. Maintenant, elle est éclairée. Il fait nuit. Un peu joli. Cette vidéo vous est plu. Bientôt nous allons quitter l'Andalousie, mais ça sera pour la prochaine vidéo. À bientôt.